Appelée honorée par le Comité international olympique, la légende du football brésilien a reçu jeudi l'ordre olympique, la plus haute distinction olympique, une récompense pour son engagement aux côtés du mouvement olympique brésilien. C'est un grand honneur d'annoncer aujourd'hui que le Comité international olympique a accepté la nomination de Pelé en tant que récipiendaire de l'ordre olympique, la plus haute distinction décernée par le CIO, à la suite de la recommandation du Comité olympique brésilien. Ironie de l'histoire, Pelé n'a jamais participé aux JO malgré son riche palmarès, la compétition étant à l'époque interdite aux joueurs professionnels. Une petite revanche en quelque sorte. Je plaisante avec mes amis parce que nous n'avons jamais eu ce titre. Et c'est une chance que Dieu m'a offert de recevoir cet honneur. Espérons et pensons positivement que peut-être nous pouvons gagner un titre olympique. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont fait partie de mon histoire, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous protège. Muito obrigado, que Deus proteja a todos. Pelé aura joué un rôle essentiel dans la campagne du Brésil pour accueillir ces Jeux au moment où l'économie brésilienne était en plein essor. Mais la crise que traverse le pays depuis plusieurs mois a douché l'enthousiasme autour de ce rendez-vous qui démarre le 5 août prochain.